Bonjour, bienvenue dans cette deuxième saison de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. J'espère que vous êtes fidèles à notre magazine, en notre compagnie aujourd'hui pour aborder le thème dont nous parlerons dans quelques instants. Monsieur Franck Foulard, bonjour Monsieur Foulard. Bonjour. Monsieur Foulard qui représente ici le Comité caribéen des assurances. Il Tout nous à fait. expliquera quelle est la fonction de cet organisme. Et en notre compagnie, notre partenaire désormais rituel, Dominique Felvia du site anciennementseigneur.com qui est devenu Josette. depuis peu Happy Silver. Voilà, c'est ça. Voilà, Donc, donc, être senior, on va dire, dans la joie et la gaieté. très bien. Donc, nous abordons cette semaine le thème de la prévoyance dont vous avez certainement pu entendre parler, puisque, outre notre partenaire Happy Silver, nous travaillons également depuis le 5 septembre, depuis jeudi 5 septembre, avec le quotidien France Antilles, où vous retrouverez chaque jeudi, les 3 premiers jeudis du mois en tout cas, une chronique interactive dédiée aux seniors, le coin des seniors, où vous retrouverez les conseils, les informations, les bons plans que vous retrouverez dans Mahogany et également sur le site Happy Silver. Donc, cette semaine, nous abordons le thème de la prévoyance. Vous savez que si la vieillesse n'est pas est inéluctable, pardon, la vieillesse est inéluctable, bien vieillir, cela se prépare, cela se travaille. Et l'un des aspects les plus intéressants, les plus sensibles du vieillissement en bonne santé et en pleine forme, c'est bien évidemment le problème des finances. Alors, comment préparer son vieillissement et se préparer une vieillesse heureuse et dynamique en pensant avant tout aux conditions financières de son vieillissement? C'est ce que nous verrons avec Monsieur Foulard. Nous nous retrouvons après. Donc, vous avez bien compris qu'il s'agit aujourd'hui de finances. Monsieur Foulard, donc vous représentez aujourd'hui le Comité caribéen des assurances. Alors tout Tout à fait. d'abord, qu'est-ce que cet organisme? Alors, c'est une instance qui permet aux assureurs Martinique, Guadeloupe et Guyane d'échanger et d'avoir des actions communes de communication. Nous faisons par exemple un gros travail sur la sécurité routière. Donc, toutes ces actions sont faites en collaboration avec l'ensemble des sociétés d'assurance sur les îles et la Guyane. D'accord. Alors, lorsqu'on pense aux assurances, hein, de façon très, très générale et très générique, on pense avant tout aux assurances habitation, automobile, bien sûr, Tout à fait. toutes ces petites choses de la vie courante, mais vous avez également développer une action et des produits qui permettent à tout un chacun d'épargner et de prévoir ainsi, bon, bah, que ce soit sa vieillesse ou tout simplement les accidents de la vie. Tout La vieillesse n'est pas un accident de la vie parce que malheureusement, s'il y a une chose dont on est sûr, à une fois qu'on est né, c'est qu'on va vieillir. fait. Tout à fait. Mais que donc vous êtes capable et en mesure aujourd'hui, les assurances, hein, les assureurs, de proposer à nos concitoyens toute une gamme de produits qui leur permettront d'aborder leur vieillesse, débarrassés, en tout cas le plus possible, des soucis financiers. C'est exactement ça. Nous, assureurs, nous essayons d'accompagner nos clients tout au long de leur vie en apportant des solutions aux différentes problématiques qu'ils peuvent avoir pendant l'intégralité de leur vie. Très bien. Alors, auparavant, avant de rentrer plus profondément dans le débat, nous avons un micro-trottoir. Nous avons interrogé des Très Martiniquais, bien. hein, dans la rue et nous les avons interrogés sur leur attitude quant à leur prochaine retraite, vieillesse ou actuelle d'ailleurs. Nous avons des retraités dans ce micro-trottoir. Nous nous retrouvons ensuite pour en discuter. Est-ce que vous pensez à votre retraite? Absolument, le plus tôt Le possible. plus tôt possible. Vous la préparez? Comment vous l'envisagez? Ah, le mieux possible. Oui, je la prépare, bien sûr, depuis des années.
sans indiscrétion, dans combien de temps vous pensez l'apprendre? Si Dieu veut. Ah oui, donc si effectivement. Dieu me porte vie. Mm-hmm. Est-ce que financièrement, vous avez prévu des choses particulières? Je travaille depuis l'âge de 14 ans, donc j'ai toujours cotisé. Donc normalement, on devrait pouvoir y arriver. Et en dehors de votre retraite, j'ai aussi, oui. Vous avez prévu quelque chose? J'ai ma maison, j'ai ce qu'il me faut. On a essayé de prévoir. D'accord, donc vous appréhendez votre retraite avec sérénité? Absolument. Enfin, si Dieu me porte vie, j'ai dit, si j'y arrive. Parce qu'aujourd'hui, avec les AVC et les crises cardiaques que tout le monde fait, on ne sait pas, mais on va essayer d'y arriver quand même. Très bien, de pouvoir profiter. Vous êtes encore en activité professionnelle? Non, je suis à la retraite, madame. J'ai cette chance-là, mais le salaire est petit. Mm-hmm. Et est-ce que, depuis combien de temps vous êtes à la retraite? Eh bien, ça fait 3-4 ans. D'accord. Et auparavant, avant d'être effectivement à la retraite, est-ce que vous aviez pensé à préparer votre retraite? Oui. Comment? En économisant un peu. Donc, vous aviez prévu des économies supplémentaires en plus de la retraite que vous deviez toucher. C'est des économies que vous réalisiez de quelle façon? En prélevant sur mon salaire une certaine somme que je mettais de côté. Et aujourd'hui, est-ce que ces économies vous servent? Ces économies, j'évite de les utiliser, mais comme j'étais enseignante, le salaire est tout petit. D'accord. Et donc, ce sont des économies qui vous serviront à quoi, par exemple? Ces économies, éventuellement, vont me servir en cas d'invalidité, par exemple. Bon, il ne faut jamais penser à la maladie d'Alzheimer, mais on ne sait jamais. Est-ce que vous vous intéressez ou est-ce que vous avez connaissance de produits de prévoyance qui sont distribués par une mutuelle, une banque, une assurance? En ce moment, justement, je cherche. J'essaie de me renseigner. Ça devient de plus en plus difficile et l'avenir est de plus en plus incertain. Donc, vous regardez quand même et vous pensez éventuellement avoir recours à ce type de produit? Oui, oui. Est-ce que vous pensez à la retraite? Ah oui, à mon âge, oui. Et est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier? Pas vraiment, non. Non, non, non. L'aspect financier ne vous préoccupe pas? Ah oui, comme tout le monde, ah oui, oui, oui. Et comment pensez-vous résoudre éventuellement la perte de revenus? On verra, le jour viendra, on verra. Là, non, on verra. Quand le jour arrivera, si le jour arrive, on verra bien. Non, je ne suis pas à la retraite, je suis intérimaire. Ah, d'accord, vous êtes quand même en activité, oui, mais pas à la retraite. Je ne suis pas à la retraite, non. Mm-hmm. Est-ce que vous y pensez à la retraite? Si, j'y pense et ça m'inquiète. Est-ce que vous pensez à financièrement, est-ce que vous pensez mettre de côté? Comment vous envisagez la retraite? En fait, c'est vrai, j'y pense à mettre de côté, mais malgré tout, ça m'inquiète quand même. Dans combien de temps vous serez à la retraite? Voilà, moi, peut-être dans 20 ans, peut-être plus, et je ne sais pas, puisque chaque année, la date des retraites avance, donc je ne saurais pas vous dire dans combien d'années je serai à la retraite. Mais quand même, le côté financier ou même santé vous pose des questions, vous interroge? Mais si, je m'interroge très souvent même. Beaucoup de fois, je m'interroge, je me demande, à l'âge de la retraite, qu'est-ce que j'essaierai? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez à votre future retraite? Pas vraiment. Je pense que j'en aurai pas. Vu la conjoncture des choses. Donc plutôt pessimiste. Même si vous pensez que vous n'en aurez pas, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, vous allez vous préparer à une éventuelle retraite? Je vais essayer. Vous êtes à la retraite depuis combien de temps? 13 ans. Est-ce que financièrement, vous aviez prévu quelque chose en supplément de la retraite légale? Non, pas supplément. Bon, je vis avec, hein. Donc en étant local, donc je fais mes petits jardins de côté, mes petites, poulets, tout ce qui est, petits animaux à côté. Mm-hmm. Donc ça me permet d'équilibrer un petit peu ma situation. Donc depuis que vous êtes à la retraite, est-ce que avec le recul, vous auriez, si vous en aviez la possibilité, vous pensez que vous auriez dû préparer un petit peu plus financièrement? Non, je pense financièrement. Bon, enfin dans ma situation, je pense que je pouvais pas faire mieux.
Alors, j'ai fait avec tous les moyens du bord, et puis ce qui me permet d'exister, tout simplement. Bien, donc nous l'avons vu, hein, un petit échantillon des attitudes qu'on peut avoir vis-à-vis de la retraite et également une fois qu'on est à la retraite. Alors, à venir à certains, je vis avec, on verra, je suis inquiète. Est-ce que ce sont des attitudes que vous rencontrez chez vos clients? Tout à fait. Je pense que jusqu'à maintenant, la problématique retraite n'était pas vraiment une préoccupation forte des Martiniquais. Parce qu'on avait l'habitude d'avoir, pour les salariés, et notamment les fonctionnaires, mais qui sont une bonne partie, mais les salariés en général pouvaient se constituer quand même un patrimoine immobilier pour certains et pouvoir jouir des revenus de ce patrimoine. De plus, la solidarité familiale permettait de faire face à des imprévus. Donc, cette problématique commence vraiment, on le voit, hein, et on a de plus en plus de Martiniquais qui sont inquiets, qui certains ont préparé, mais la majorité pas suffisamment. Et on s'en rend compte que les économies, on voit une dame qui disait que ces économies devraient lui permettre de faire face à une maladie éventuelle, etc. Donc en plus, une ancienne enseignante. Exactement. Avec effectivement sans doute un pouvoir d'achat oui. Très, très correct. Qui a fortement diminué à la retraite puisqu'il n'y a pas la surrémunération. Donc ça vient mettre un coup quand même au niveau des finances. Un exemple simple. Vous avez 100 000 euros de constituer comme épargne pendant votre vie professionnelle. Mm-hmm. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas mal. Absolument, c'est beaucoup. Si tout le monde pouvait avoir 100 000 euros à la retraite, ce serait très bien. Ouais. On aurait sans doute moins de gens inquiets. Voilà. En étant dépendant, 100 000 euros permet de faire face à une situation de dépendance de 4 ans et demi. Ce qui est peu dans la mesure où le fait d'être dépendante, c'est pas la fin de la vie. Bien sûr que non. Être dépendant pendant des années. Pendant des années et des années. Donc, je me suis, comme la dame a dit, j'ai un petit peu d'argent au cas où il m'arriverait quelque chose ou une maladie. Si elle a 100 000 euros, elle pourra avoir un maintien à domicile en étant dépendante pendant 4 ans et demi, mais pas plus. Donc, d'où la nécessité, effectivement, de prévoir. Alors, la prévoyance, c'est ça, c'est prévoir l'imprévu. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit dès qu'on commence à travailler. Alors, justement, comment peut se faire l'articulation? Parce que souvent, depuis petit, on a la famille, les parents qui ouvrent un livret d'épargne ou ce genre de choses. On se constitue une épargne qui sert souvent en grandissant, alors soit aux études, ou à l'acquisition d'un logement, d'une résidence. À quel moment doit-on se dire, à côté de ces économies minimales, entre guillemets, qu'on peut faire, à partir de quel moment je pense à assurer mes vieux jours? Je pense que dès qu'on commence à avoir une activité professionnelle, il faut prévoir, justement, une épargne retraite. Alors, bien entendu, selon les cas, cette épargne pourra être plus ou moins importante. Et selon les années, par exemple, je vais séparer deux corps de métiers différents. Le salarié. Le salarié, lui, va se constituer une retraite sur de nombreuses années en prélevant une petite partie de son salaire. Il ne faut pas que ce soit handicapant non plus. Il faut qu'il puisse vivre. Il faut qu'il se constitue son patrimoine immobilier en même temps. Mais la retraite doit déjà être une préoccupation en mettant une somme même peu importante tous les mois, nous pouvons effectivement avoir une rente retraite le jour où nous arrivons à cet âge. Fin d'activité. Tout à fait. Nous avons aujourd'hui la possibilité de faire de l'épargne retraite en ayant une incitation fiscale. Très bien, donc qui se combine, donc
on épargne et en même temps... On épargne et on peut déduire les sommes épargnées pour la retraite de ses revenus annuels, du revenu annuel de référence. Donc aujourd'hui, c'est le PERP qui permet de pouvoir épargner pour le salarié, épargner en ayant une incitation fiscale, une déduction fiscale. Très bien. Alors, nous allons aborder dans le détail les offres que vous mettez à la disposition de vos clients. L'une des observations ou l'une des contraintes que les personnes exposent souvent, c'est que compte tenu de la faiblesse de leur pouvoir d'achat, on ne parle pas des salariés qui ont un revenu très correct qui leur permet de vivre très correctement, mais certains salariés voudraient bien mais ne peuvent pas parce que tout leur revenu, quasiment la totalité de leur revenu est consacré à leur vie quotidienne. Donc, est-ce que sur le simple point des produits à préparation à la retraite, de la complémentaire retraite, quelles sont les sommes concrètement qui peuvent être épargnées à ce titre-là sans que ça ne touche beaucoup au pouvoir d'achat? La plupart de nos contrats assureurs sont accessibles à partir de 40 euros par mois. Alors, 40 euros par mois, on peut penser que ce n'est pas beaucoup. En même temps, pour certaines familles, c'est quand même une somme importante. Donc, mais je pense qu'il faut faire cet effort. Parce que vivre mieux sa retraite, c'est pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui permet de vivre bien. C'est vrai que beaucoup de nos retraités vivent mal parce que financièrement, ne sont pas préparés. Donc, à partir de 40 euros par mois, on peut faire des versements permettant d'avoir une rente le jour de sa retraite. Maintenant, plus on commence tôt, plus la rente sera intéressante. C'est vrai que si on commence à 25 ou à 30 ans et si on commence à verser donc 40 55 euros tous ans, les mois à 55 ans, c'est clair ou à 60 que ça ne fait ans, pas. C'est vrai que ça fera un petit quelque chose en tout supplément, à fait, mais tout à fait, mais pas suffisant. Pas suffisant. D'où la nécessité de vraiment consacrer une part du budget. Je sais que c'est pas toujours évident, mais il faut faire des choix. Donc, je pense que ce choix est intéressant à faire parce que justement, nous vivons de plus en plus vieux et les retraites servies seront de plus en plus petites. Petites. Donc, je pense que nos téléspectateurs sont comme nous tous à l'écoute des informations, suivent plus ou moins attentivement les différents débats et les différentes réformes, projets de réforme sur le financement des retraites. Et donc, je pense que ceci expliquant cela explique bien entendu les inquiétudes quant à l'avenir très incertain. Donc, effectivement, au niveau de la prévoyance, la retraite... Alors, pour l'instant, on a parlé d'épargne. Alors, bien sûr, il existe... un régime particulier pour les artisans commerçants qui peuvent effectivement, comme les salariés, se constituer une retraite complémentaire avec un dispositif qui s'appelle la loi Madelin qui permet de défiscaliser ces sommes, donc de ne pas payer d'impôt sur les sommes versées sur ce type de produits, comme le PERP pour les salariés. D'accord. Donc, très bien. Donc, ça, c'est ça, un c'est premier... de l'épargne. voilà, tout à fait. C'est de l'épargne. Donc, un premier mode de prévoyance. Tout à fait. La retraite complémentaire, donc, des sommes qui viennent s'ajouter à sa pension de retraite une fois qu'on cesse son activité. Voilà. Donc, en plus de la retraite pour les salariés du régime général, les retraites complémentaires. Exactement. Donc, c'est un petit complément. Une retraite personnelle. Une retraite personnelle, alors, tout à fait. Oui. Donc, j'ai une petite unique question pour M. Foulard. Jusqu'à quel âge, parce qu'en fait, on a parlé effectivement de à quel âge on doit encore, on devrait commencer, mais par contre, jusqu'à quel âge Tant que nous sommes encore en activité, nous pouvons ouvrir un compte retraite. D'accord. Il n'est jamais trop tard parce que il faudra consacrer peut-être plus de moyens. Plus on s'y prend tard, plus il faudra abonder. Oui. Mais il n'est jamais trop tard. D'accord. Alors, je pense qu'à partir d'un certain âge, il serait peut-être plus judicieux d'avoir une épargne
pas obligatoirement avec une fiscalité particulière comme le PERP. Le PERP pour le plan d'épargne retraite populaire. Très bien. On peut se faire une épargne personnelle. D'accord. Type assurance vie, par exemple. D'accord. C'est de l'épargne, une épargne pure, permettant de et là, ce sont des versements libres. Donc, on peut se constituer un capital, effectivement, en vue de la retraite, de manière tout à fait libre, en faisant des abondements quand on peut. Quand on peut. Donc c'est une forme plus souple. Plus souple, exactement, et qui permet aussi de vous savez, au début, quand on travaille, on aspire à avoir sa maison, à avoir un patrimoine immobilier. Certains peuvent y arriver. Et puis à un certain moment, on pense à la retraite, on pense à la transmission, transmettre mes biens, etc. Et à partir d'un certain moment de sa vie, on est peut-être amené à se défaire d'un certain nombre de biens immobiliers, par exemple. Oui. Ou pour les professions libérales et commerçants, ils vendent leur activité. Donc, ces personnes qui n'ont peut-être pas fait l'effort de se constituer un complément de revenu peuvent, avec la vente d'un bien immobilier ou encore la vente d'activité, se financer leur retraite grâce au capital qu'ils pourront placer, leur permettant d'avoir des revenus à ce moment. Donc, il y a tout un panel de solutions que nous pouvons proposer à nos clients et qui permet bien de quand on s'y prend tôt, de faire un effort plus long, plus constant, mais peut-être moins intense. Et puis, quand on s'y prend un peu plus tard, faire un effort plus important sur une durée plus limitée. Très bien. Alors, juste une précision. Donc là, nous l'avons bien compris, nous avons parlé d'une des offres que vous êtes en mesure de faire, vous, assureur, en termes de prévoyance. Quelle différence, quel avantage j'aurais? Alors, on a parlé de défiscalisation ou d'avantages fiscaux. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus là-dessus. Donc, quel avantage j'aurais, moi, à prendre, à aller chez un assureur et à souscrire un contrat d'épargne retraite, on va appeler ça comme ça, d'un terme très générique, par rapport aux petites sommes? Bon, on l'a vu, il y a des hommes qui économisent, qui mettent de côté chaque mois, donc sur mon carnet de caisse d'épargne. Tout à fait. Tout à fait. Quel avantage? Même le bas de laine. Le bas de laine, ou sous le matelas, en priant pour qu'il n'y ait pas d'incendie chez tout moi, à fait, ou ce genre tout de tout choses. Donc, alors, quel avantage? Premièrement, il vaut mieux avoir un cadre permettant de rémunérer cette épargne. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Absolument. Plutôt que de mettre de côté avec l'inflation, vous perdez un pouvoir, vous mettez 10 euros aujourd'hui, si vous reprenez ces mêmes 10 euros dans 5 ans, vous verrez bien que votre pouvoir d'achat est bien moindre. Voilà. Donc tous les gens qui ont mis des francs de côté. Là il faut éviter. Donc il faut effectivement chercher une solution qui permet de rémunérer l'épargne. Donc ça, c'est déjà une première chose que nous pouvons faire par l'épargne retraite. Donc, selon les supports d'investissement utilisés, nous permettons aux clients de faire fructifier leur épargne. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Ça, c'est notre travail. Maintenant, notamment avec le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, nous pouvons déduire ces sommes du revenu imposable. Donc, in fine, nous payons moins d'impôts. Donc, voici l'intérêt de plutôt avoir un produit cadré, une solution sur mesure et bénéficiant d'avantages fiscaux, etc. Tout en, bien sûr, permettant de rémunérer cette épargne, parce que c'est ça qui est important. Absolument. Je mets 40 euros tous les mois ou 100 euros tous les mois. À la fin, j'ai mes 100 euros que j'ai mis, plus la valorisation annuelle des différents supports sur lesquels j'aurais investi. Voilà, donc nous avons effectivement loi sur ordre des plusieurs solutions à proposer, des solutions dynamiques, des solutions prudentes, en fonction bien entendu de l'âge du client, puisque un client qui a 25 ans aujourd'hui, on va plutôt lui proposer des produits plus dynamiques, parce que sur une durée longue, on est sûr de
de performer. Oui, par sûr. Contre, s'il ne vous reste que 5 ans à cotiser, on va plutôt sécuriser les fonds. Donc, viser des plus-values peut-être un peu plus, moins intéressantes, parce que je parle de plus-value intérêt pour. Oui. c'est la même chose. Peut-être un peu moins, mais en sécurisant les fonds. Donc, nous avons tout un panel de solutions à apporter. Ça, c'est, on a parlé jusqu'à maintenant uniquement d'épargne. D'épargne. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand on a de l'épargne et qu'on a une maladie ou un accident, cette épargne peut très vite. Fondre. Alors, je ne parlais même pas d'épargne retraite, parce que tout ce dont on parle jusqu'à maintenant, c'est ça permet d'avoir un revenu complémentaire. Donc, il n'y a pas de capital. Le capital, c'est quand je fais mon épargne personnelle de mon côté. Très bien. Hors retraite, d'accord ? Absolument. Tous les produits retraite en général donnent droit à une rente viagère, donc tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. À partir du moment où on est retraité. Donc ça c'est un moyen de vivre mieux si nous n'avons pas d'accident ou de maladie, etc. Très bien. Donc maintenant, nous y arrivons, voilà. Effectivement. Voilà. Alors, là, on parle jusqu'à maintenant d'épargne. La prévoyance, c'est autre chose. La Très prévoyance, bien. C'est justement prévoir l'imprévu. Donc tout au long de ma vie, je dois me prémunir de certains nombres d'événements. J'ai une famille, je commence à travailler, j'ai des enfants, je dois me poser la question à savoir si je ne suis plus là demain, que deviennent mes enfants. Donc là, je fais une prévoyance classique permettant, pendant mon activité professionnelle, pendant ma vie professionnelle, familiale, de faire face justement à mon décès, à celui de mon épouse, etc. Donc là, je prévois un capital pour mes enfants ou une rente éducation, par exemple. D'accord. Donc, à chaque personne, une solution. C'est ça, chaque situation, on trouve des solutions en fonction, bien entendu, de la situation, du client. Je suis jeune, je commence à avoir des enfants, mes enfants ne travaillent pas encore. Eh bien, il faut que j'ai une prévoyance. Absolument. Alors, je peux être malade. Voilà, justement. Alors, on va essayer de prendre dans le cadre du déroulement. Tout donc, fait. Effectivement, une fois qu'on est à la retraite, on espère. Et nous allons parler tout à l'heure avec Dominique. Nous allons essayer de vivre cette retraite le mieux possible, en très tout bonne fait. Santé. Donc, bien vieillir en Martinique. Nous avons, nous, oui. à Mahogany et à Happy Silvers, une solution à vous proposer. Mais... au cas où on peut penser qu'en vieillissant, on va avoir des problèmes de santé, des pathologies dont nous avons déjà parlé dans Mahogany, donc des pathologies qui nous atteindront. Donc effectivement, la longévité croît, mais parallèlement, effectivement, l'apparition de pathologies liées à ce vieillissement apparaît. Alors, exactement. Est-ce que vous pouvez, dans le cadre d'une prévoyance, ou est-ce que vous avez des produits qui pourront me rassurer sur une éventuelle maladie, une pathologie grave ? Il faut. Nous essayons, en tout cas. Mm-hmm. Aujourd'hui, le sujet le plus important aujourd'hui pour nos seniors, c'est la dépendance. Oui. Alors, nous avons tendance à penser que la dépendance, on pense souvent à Alzheimer. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Alzheimer, effectivement. Mais on peut être dépendant suite à un accident. Oui, tout à fait. Tout au long de sa vie, d'ailleurs. Bien sûr. Mais bon, encore plus quand on est senior, on peut glisser de sa baignoire ou de sa douche. Ça arrive souvent, malheureusement. Malheureusement, oui. Ça arrive très souvent. Mm-hmm. On est à la maison, donc on a des tâches ménagères, on bricole pour les hommes, etc. On n'a peut-être pas obligatoirement les mêmes facultés qu'avant. Donc, on a un risque qui s'accroît, effectivement. Donc, la dépendance reste un sujet essentiel. Aujourd'hui, nous assureurs, nous avons la possibilité, quand un de nos clients est dépendant, de pouvoir lui verser une rente viagère permettant de faire face aux dépenses liées à la dépendance. Alors,
qu'est-ce qu'on veut? Moi, j'ai des statistiques France pour l'instant. Je reviendrai si je suis invité un autre jour avec des statistiques avec plaisir, oui. Martinique, Caraïbes. Oui. Pour l'instant, je ne les ai pas encore. 88% des Français veulent, en cas de dépendance, rester chez eux. Oui, ce qui se conçoit parfaitement. Je pense qu'on a à peu près le même taux ici. Tout à fait. Je pense que peut-être encore même plus ici. Encore même plus, oui. Mais ça coûte cher. Il faut savoir que le maintien à domicile, c'est minimum 2 000 à 2 500 euros. Mensuellement. Mensuellement. Donc, les produits que nous proposons permettent justement ce versement d'une rente. Alors, nous avons, au niveau de la dépendance, essayé de faire simple. Nous sommes dépendants quand nous ne pouvons pas assurer les actes de la vie quotidienne. Donc, on a 5 actes de la vie quotidienne. Et si nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations, alors c'est quoi? C'est se doucher, se laver, donc s'habiller, passer d'une position à une autre, manger. Donc nous sommes obligés à ce moment-là d'avoir une tierce personne pour nous assister au quotidien. Au quotidien. Du alors le plus coucher, souvent, qu'est-ce qui se passe? On a les aidants familiaux, c'est les enfants qui viennent, etc. Le conjoint des enfants. Exactement. Donc, les contrats que nous avons aujourd'hui, que nous pouvons proposer à nos clients, les solutions que nous avons, permettent non seulement d'aider le dépendant, mais aussi d'aider l'aidant par un certain nombre de services que nous pouvons mettre à leur disposition. Services à la personne. D'accord. Ces produits que nous avons, qui sont plutôt nouveaux, permettent de faire face à toutes les situations. Oui. J'ai un contrat dépendance. Oui. Si, par exemple, ma mère devient dépendante, mon contrat dépendance va pouvoir m'aider en tant qu'aidant. Oui, c'est quand même plus large que de dire si je deviens dépendant, j'aurai une rente. On a des services, associés à toutes ces problématiques. Très bien. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez le recul nécessaire et vous êtes dans le concret finalement. Tout à fait. Parce que vous avez sans doute des clients qui sont confrontés à des situations de plus en plus à ce genre de situation. Exactement. Donc, vous avez pu, vous, assureur, envisager une réponse adaptée à exactement. Chaque cas. Exactement. Exactement. Donc, ces produits, ces solutions que nous apportons sont disponibles en général à partir du 45e anniversaire du client. C'est-à-dire qu'on commence à vraiment s'intéresser à la dépendance quand on a 45, 50 ans. 50 ans, oui, très bien. Et plus souvent, c'est 50 ans. Mm-hmm. Et jusqu'à quand? Eh ben, par exemple, une fois, je pense à la dame qui disait qu'elle était enceinte. Il n'est pas trop tard. Ah ouais, voilà, c'est ça. Alors, il faut quand même s'y prendre un peu tôt. Oui. Mais la plupart des offres que nous avons sont accessibles jusqu'à 75 ans. Oui, quand même. Donc, oui. Ce qui permet quand même. Ce qui permet, même quand on s'y prend un petit peu tard, de pouvoir trouver une solution. Et les cotisations, alors, par contre, bien entendu, voilà. Plus on s'y prend tôt, plus les cotisations sont moindres. C'est toujours pareil. Oui. Avec la prévoyance, c'est l'âge du client au jour de la souscription qui détermine la prime d'assurance, la cotisation à payer, soit mensuelle, trimestrielle ou annuelle. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'y prendre tôt pour que l'effort à faire soit un petit peu plus indolore que de venir à 74 ans et de dire je veux mon contrat de dépendance. C'est toujours possible, mais j'aurai quand même une somme un petit peu plus conséquente à verser. D'accord. Donc les jeunes fourmis sont plus récompensées que des vieilles cigales. Oui. Très bien. Alors malheureusement, donc après
enfin, après avoir envisagé la dépendance, alors qu'il y ait eu dépendance ou pas, la finalité de toute naissance, c'est in fine en bout de course le décès. Le décès, tout à fait. Donc, auquel on pense plus quand on atteint un certain âge. Donc, exact. Vous avez, et on peut être inquiet juste sur cette bien circonstance sûr, sûr. Par rapport à une famille, des enfants encore exactement. Jeunes qui exactement. Sont encore en études. Donc, vous avez la possibilité, vous avez également une offre en tout termes à fait. De alors, décès. Juste un petit point concernant la dépendance. Oui. Nous pouvons apporter des solutions en dépendance avec mm-hmm. une prime mensuelle, une cotisation mensuelle, mais certains contrats prévoient le remboursement de l'intégralité des cotisations le jour du décès s'il n'y a pas eu de dépendance. Donc, vous voyez, très bien, c'est même pas, c'est effectivement, une somme, oui. C'est une somme qui n'est même perdu. Pas à fonds perdu, à fonds qui perdu. Peut, c'est une option hein, oui, oui, oui. Dans la plupart des contrats, mm-hmm. mais qui permet d'avoir justement, de pouvoir laisser cette somme aux bénéficiaires désignés mm-hmm. au cas où cet assuré ne serait pas en état de dépendance le jour de son décès. Très donc bien. Ça, c'est une petite option. Maintenant, nous avons des contrats obsèques, bien entendu, mm-hmm. qui permettent de faire face aux frais toujours importants. Hein, et puis, surtout... des solutions qui sont immédiates. La plupart des contrats obsèques, on parle en jours hein, oui, de déblocage oui, tout à fait. Après les obsèques. Donc, c'est oui. quelques jours. Certains assureurs, nous avons des contrats qui sont où les sommes peuvent être débloquées 2 jours après le décès, après oui. qu'on ait les documents du décès. Et ces contrats obsèques ont l'avantage d'avoir une clause bénéficiaire adaptée qui permettent vraiment de payer les obsèques. Mm-hmm. Donc, soit directement l'entreprise de pompe funèbre, mm-hmm. soit la personne physique qui a payé, qui a réglé les obsèques. Donc, nous ne sommes pas obligés de mettre un nom comme bénéficiaire. Bien oui. entendu, le solde sera... versé aux autres bénéficiaires désignés. Mais bon, on peut avoir vraiment des contrats qui permettent vraiment de payer les obsèques. Parce qu'on se rend compte que souvent, les contrats sont faits avec des bénéficiaires, ce ne sont pas ceux qui ont payé les obsèques, ça peut créer des désordres dans la famille, etc. C'est toujours un peu compliqué, voilà. Alors, un moment difficile. Tout à fait. Nous, quand même, aux Antilles, nous avons quand même cette culture, grâce aux mutuelles, etc., voilà. De nos grands-parents, enfin, c'est quelque chose qui existe. De se préoccuper du décès, de ses obsèques. Exactement. Mais souvent, ces sommes ne suffisent pas. Donc, nous, assureurs, nous pouvons proposer des contrats qui permettent d'avoir le complément pour assurer, effectivement, pour financer l'intégralité des frais. Tous les frais liés aux bien, obsèques. Aux Antilles, nous avons des coutumes. Hein, la veillée, ça coûte cher aussi. Et puis, de plus en plus... nous Martiniquais, nous optons pour l'incinération notamment. Oui. Et ça coûte un peu plus cher effectivement. Donc il faut prévoir et nous avons effectivement des solutions très spécifiques pour les obsèques. Alors à partir de quel âge Alors c'est toujours pareil. Alors c'est toujours pareil. On a comme je disais tout à l'heure, nous avons on commence à travailler, on crée une famille, on a des enfants. Donc au départ, la préoccupation première, c'est de pouvoir laisser des fonds à son épouse, pour ses enfants, etc. Et puis plus on avance en âge, plus on a cette préoccupation. Obsèques. Alors, les véritables contrats obsèques, comme la dépendance, c'est aux alentours des 40-50 ans où on se préoccupe vraiment. Maintenant, nous avons, pendant notre vie, une autre prévoyance qui peut effectivement servir à payer aussi les obsèques. Mais la préoccupation quand on a 30 ans, ce n'est pas tellement de se dire comment je vais financer mes obsèques. C'est plutôt j'ai un fils de 5 ans, et, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ces fonds, il suffit de prévoir suffisamment
large pour intégrer tous ces aspects. Donc, on peut, et à partir d'un certain moment, les contrats que moi j'aurais pu faire en tant que père, ou, ben, je vais arrêter, puisque la prévoyance c'est ça. Je paye pour être tranquille. Absolument. Le jour où mes enfants travaillent, je n'ai peut-être pas besoin de continuer à payer pour un capital d'essai, alors qu'ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Mmh. Alors, il y a d'autres problématiques, hein, de financement, de frais de succession quand il y a un patrimoine immobilier. Enfin, chaque client a chaque client une solution. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on peut se poser la question, est-ce que je continue à payer ma prévoyance pour donner de l'argent à mes enfants si je décède, alors qu'eux, ils ont une vie familiale, etc., et qu'ils sont autonomes. Et à ce moment, je peux peut-être me dire, je vais plutôt faire un contrat obsèque pur, avec un capital de 5 000, 6 000 euros. Je paierai très peu. Vous savez, c'est quand on a 50 ans, pour 1 000 euros, c'est 5 euros par mois. Donc, oui, vous voyez, donc c'est, effectivement. C'est vraiment, ce sont des sommes qui n'ont rien à voir avec une prévoyance classique. De plus, les contrats aujourd'hui, obsèques, ne sont pas des contrats à fonds perdus totalement. C'est-à-dire que nous, assureurs, avons des produits qui sont souples. Un client a souscrit un contrat obsèque avec un capital, il a un besoin urgent de fonds, il ne sait pas où trouver, il peut de son vivant récupérer ses sommes. Bon, c'est pas l'objet, mais en cas de coup dur, aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que je fais un effort, mais si je suis un jour dans une situation délicate, je peux toujours avoir accès à ces fonds-là. Très bien. Donc, on voit que ce type d'offre offre quand même une certaine souplesse qui permet de ne pas se sentir étranglé. Parce que, exactement, outre les moyens qu'on a, ou en plus ou moins grande quantité, qui peuvent nous faire hésiter avant de s'engager, on a la possibilité de pouvoir, à un moment donné, en cas de besoin, compter sur les sommes épargnées. Donc, effectivement. Alors, je reconfirme à nos téléspectateurs, hein, qui pourront retrouver, donc, s'ils n'ont pas eu l'occasion d'acheter ou de lire le France Antilles du jeudi 5 septembre, dans lequel Dominique Felvia et moi-même avons rédigé un article sur la prévoyance, donc de retrouver cet article et ces éléments sur le site happysilver.com. Exactement, Josette. Donc, est-ce que tu peux, Dominique, s'il te plaît, préciser l'orthographe? Tout à fait. Bien, alors, donc, il faut taper dans sur son navigateur HAPPYSILVERS. Tout attaché, hein? Voilà, tout attaché, .com. .com. Et donc, voilà, ils retrouveront donc certains les éléments qui ont été publiés dans la rubrique interactive de France Antilles du jeudi 5 septembre. Et également, je pense, la reprise des précisions qui ont été apportées par Monsieur Foulard sur les différentes offres et sur les différentes possibilités. À cet article, je précise, il y a également une interview, hein, trois questions auxquelles a bien voulu répondre Monsieur Lou de Frimaville, qui est le directeur général d'AXA Caraïbes, et qui montre effectivement la préoccupation des assureurs, hein, quant à ces questions. Alors, donc, toute une gamme de produits, hein, liés à la prévoyance, à l'épargne et à la prévoyance. Il y a également toute une gamme, on en a vu un échantillon dans notre micro-trottoir, toute une gamme de situations, d'attitudes. Donc, est-ce que n'importe qui peut se rendre chez son assureur et lui dire, bon, ma situation, elle est telle, j'ai tel âge, ma situation, elle est ainsi, je travaille ou je ne travaille pas, j'ai tel type de revenu. Est-ce qu'on va lui proposer quelque chose de tout fait, quelque chose de cousu sur... Mais non, c'est ça le... Heureusement que non.
à chaque situation une solution. Donc, bon, ça fait un peu bateau de le dire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de sa situation personnelle, de ses revenus, de ses problématiques, parce que on est souvent surpris du besoin du client. Le besoin du client n'est pas seulement celui que nous allons détecter, c'est aussi ce qu'il ressent, quelle est sa préoccupation première. Bien souvent, ce sont ses enfants. Et il veut porter l'accent particulièrement sur le devenir de ses enfants. D'autres ont d'autres préoccupations. Donc, il faut vraiment écouter le client qui vient nous voir et puis trouver des solutions et les solutions qu'il décide lui. Alors, on va lui dresser, bien sûr, on fera le point avec lui sur sa situation, voir l'ensemble de ses besoins, et c'est lui qui va, en fonction de tout ce qu'on aura pu lui dire, nous dire ça me parle plus que ça. Ça effectivement, je veux. Alors, je peux peut-être revenir vers lui pour lui dire oui, mais j'ai quand même détecté le fait que là, vous avez une carence et qu'il faut vraiment. Mm-hmm. Je ferais mal mon travail si je n'insistais pas un petit peu mm-hmm. sur ce point-là, parce que là, effectivement, il y a un véritable trou. Mm-hmm. Mais bien entendu, c'est le client qui va décider en fonction de sa sensibilité. Mm-hmm. Hein, c'est très important. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'écoute de nos clients pour permettre de trouver les solutions adaptées à leurs besoins et à la situation. Exactement. Situation. Très bien. Bah, écoutez, je pense que nous avons fait le tour de la question. Hein, nous renvoyons les téléspectateurs qui sont intéressés, alertés ou sensibilisés sur ces questions à se rapprocher de leur assureur. Tout à fait. Hein. Donc, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Foulard, hein, de nous avoir apporté ces éclairages sur les possibilités de mieux préparer sa vieillesse, de bien vieillir, en tout cas, en toute sérénité du côté de ses finances. Je renvoie donc nos téléspectateurs à Happy Silvers, voilà. Hein, pour suivre et éventuellement s'ils ont des questions. Il y a un espace forum et débat oui. sur le site où ils pourront poser les questions auxquelles nous tenterons de répondre avec le concours de nos professionnels. Nous abordons, merci encore, donc Monsieur Foulard. Hein. Nous passons maintenant à la rubrique Actu avec Dominique Felvia. Voilà, petit jingle. Alors Dominique, qu'y a-t-il aujourd'hui dans cet agenda ? Eh bien, simplement une précision, nous allons pouvoir retrouver cette émission dans quelques jours sur la chaîne YouTube d'Happy Silver. Mais autrement, nous avons vraiment quelque chose de très très bien pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous avons mis au point, un atelier qu'on appelle Génération Mature. Vraiment, c'est un atelier où on va pouvoir prendre soin de soi. Apprendre à mieux s'alimenter, s'occuper de sa santé, se réapproprier son corps, faire du relooking, avoir des conseils d'une esthéticienne. Et ça, tout ça, on vous a concocté un programme aux petits oignons avec Mahogany et Happy Silver. Et ça démarre le 12 et le 19 octobre. Alors là, on pourra s'inscrire sur le site Happy Silvers. Alors je répète l'orthographe, HAPPYSILVERS. Pour les non-anglicistes, oui. Ça veut dire. Alors, ça veut dire, en fait, il s'agit de la communauté des Boonots actifs, alors c'est-à-dire les baby boomers actifs hein, de 50 ans et plus. Alors, donc, ça veut dire, en fait, les gens qui ont des cheveux un petit peu grisonnants et qui sont heureux de vivre. Qui les cachent ou qui ne les cachent pas, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Ils sont les bienvenus. Voilà, les bienvenus. Donc, nous avons une page Facebook, un compte Twitter, un forum, vraiment tout un tas de lieux où pourront s'exprimer, en tout cas, nos téléspectateurs, nos internautes. Alors, ces ateliers matures oui. sont destinés à qui ? Il y a une limite d'âge ? Non, pas du tout. On peut venir, bon, en tout cas, bon,
on sentira peut-être plus à l'aise à partir de 50 ans, mais autrement, jusqu'à plus d'âge, hein, 107 ans, comme ma tante, hein, pourquoi pas. Absolument. Ah. Et donc, l'idée, c'est effectivement, on reprend hein, le concept oui. de mahogany et de voilà, happy silver, bien vieillir, se préparer à bien vieillir. On a, vu, on a exploré les questions financières, mais au-delà de ça, il y a effectivement son aspect physique, sa santé, tout à fait. Son alimentation. Son activité physique, je crois, et puis, également. Ma foi, le look, hein, je sais. Qui est important, donc aussi, rester, rester en bonne santé et bien vieillir. Voilà, donc ça, et c'est... Et passer le poids des ans. Tout à fait. Alors ça, c'est le 12 et le 19. Donc, on s'inscrit, on se préinscrit sur le site Happy Silvers. Alors, sur ce site-là, on va voir aussi les autres dates. Hein. Il y a d'autres dates au mois de novembre et tout, mais... Bon, en fait, il vaut mieux profiter du premier atelier, ça c'est une bonne chose. Autrement, j'ai d'autres petites choses dans ma besace, j'ai le temps d'en parler ? Oui, absolument. Bon, alors au mois d'octobre, il y a aussi avec l'âme d'or les 23e rencontres gérontologiques. Donc là, c'est ouvert effectivement aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Donc alors, c'est un rendez-vous annuel hein, oui, de tout de à fait. L'âme d'or. Oui, oui, oui. Le thème cette année ? Alors, le thème, ce sont les nouvelles pauvretés et les nouveaux défis, en fait, auxquels devra faire face notre société, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des personnes âgées qui sont dans des difficultés hein, importantes de ce côté-là. Donc ça, c'est le 3 et le 4 octobre. Et si on veut s'inscrire, je donne les coordonnées. Donc, il faut faire le 0596 73 2 fois 83. Ça, c'est le standard de l'âme d'or. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, la conférence hein, que fera Happy Silvers et Mahogany, on espère, en tout cas sur le campus de Shelcher. Dans le cadre de la Semaine Bleue, hein, qui a lieu chaque année, et cette année, qui a lieu du 21 au 27 octobre. Et le thème cette année, c'est vieillir et agir ensemble dans la communauté. Alors, on pourra retrouver sur le site Happy Silver le programme intégral de cette Semaine Bleue, qui est concoctée par la Fédération des associations de retraités avec lesquelles nous sommes en contact. Très bien. Voilà. Et une dernière chose pour finir ma petite rubrique. Eh bien, l'Association des soins palliatifs pardon, de la Martinique organise sa journée régionale le 12 octobre et la journée mondiale des soins palliatifs. Alors là, pareil, on se renseigne au 05 96 73 02 49 et ça aura lieu. Et le thème cette année, c'est urgence en soins palliatifs. Très bien, merci Dominique. Donc les informations qu'on retrouve sur le site Happy Silver. Tout à fait, oui, voilà. Donc merci et à la semaine prochaine pour un nouvel agenda. Cette émission est arrivée à son terme, donc je remercie encore Monsieur Franck Foulard qui a bien voulu nous apporter son éclairage et Dominique que nous retrouvons en direct sur le site. Oui, et également mardi prochain. Donc merci d'avoir bien voulu nous recevoir chez vous. À très bientôt, mardi prochain, même heure, même antenne. Au revoir.